reste sans fréquence. Et 73-51, Dundee 33. Pardon. J'étais en plein phare. Bon, ben ça c'est fait. Bon, de l'autre côté, il fait un temps pourri. Donc, comme j'irai pas remarquer. Alors, j'entends du monde dans le lointain. Bon, puis maintenant. Assis. Peut-être les stations d'Angoulême. Ça tombe bien, on prend la direction. Voilà, on est en race campagne, hein, donc c'est pas le meilleur endroit pour attraper du monde. C'est comme les autoroutes, c'est pareil, c'est pas le meilleur endroit non plus. Second exit. Des logiciels sur les GPS, sur le téléphone. Aïe aïe. Comprends qui peut. Là. C'est un mélange de français, d'anglais, d'allemand, c'est la totale. Bon, attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'en s'appelle. Ou toi, t'es à côté de moi. Les 73-51, Charlie 47 de Dundee 33. Affirmatif. Salut monsieur, Dundee, du Colibri. Oh bah, il y en a qu'un Colibri, on le reconnaît de suite. Jusqu'à chez moi, des fois, là, suivant où je me balade, je t'entends. Pas de problème, salut mon petit Charlie, derrière aussi. 13-51, GG. Ça va bien? Ben, ça va, la pluie. Avec la pluie, comme tu dis, ben oui. Il pleut, bergère. Tu casses l'aiguille, là. Ah ben là, moi, de mon côté, c'est tout le monde qui me casse l'aiguille. À quoi qu'on roule là, les uns derrière les autres. Moi, je roule pas en fixe, là. Mais t'es à 9h40, là. Oui, non, mais je sais bien que t'es en fixe. C'est par rapport à Charlie qui doit être sur la route, j'imagine. Affirmatif, direction Chamonix. D'accord. Alors là, quel repère je peux donner? Pourtant, c'est pas la première fois que je passe dans le coin. Bon, bref, on arrive de la Gironde, Gironde Est, à côté de Question de la Bataille, Saint-Émilion. Et là, on monte sur le Pas-de-Calais, comme tous les ans. Alors, je tombe sur un rond-point, un grand rond-point. Oh oui, il est grand celui-là. Qu'est-ce que j'ai comme bâtiment et tout qui pourrait donner une indication? J'ai pas. L'hôpital de Girac, non? Je parle de rond-point de Girac. Ah, c'est peut-être ça, oui. Bon, le rond-point de l'hôpital, là, que tu es. Oh, ouais, parce que. Alors, Burger King en face de moi, sur le rond-point. C'est ça, dans le Burger King, c'est ça, voilà. C'est ce que je me trompais pas. Oui, oui, mais c'est vrai que je devrais me rappeler, puisque tous les ans, je passe par le même endroit. T'es parti voir les gardes du Nord, alors? Je suis... Attends, j'ai pas compris. T'es parti voir les gardes du Nord? Affirmatif, Nord-Ouest. Eh, mais dis donc, ça commence à vous pas faire, vous, hein. Et t'as passé bien encore un temps du beau temps, là-haut, je pense. C'est pas une semaine de beau temps qui est annoncée, hein. Non, mais là-haut, normalement, il va faire meilleur. Ah ben. Bon, de toute façon, on a tout prévu, les cuissards, de tout. Trois blousons, 5 pull-overs. Parce
que bon, c'est vrai que là, on ne sera pas très loin du pôle Nord. Hachis trois coups. Même prévu les cannes à pêche, bon, ben c'est bon alors. Ah ben les cannes à pêche, elles sont déjà en place sur la voiture. Je vais faire un retour sur Cédric là. Bah non, mais je suis là, je vous écoute. Hein. Écoute. T'es à quel niveau, toi, t'es pas là derrière? Je m'approche de la sortie 141 à la. T'es 141, t'es dirigé sur Limoges là, oui. T'es au Formule 1 là, non? Bientôt. Ok, d'accord. Je te copie à toi, ma gueule. Tu veux ce que je veux, tu peux le faire quand j'ai t'occupé. Ouais, c'est pas grave, vas-y. J'ai t'occupé, c'est pour ça que j'ai entendu vite fait, parce que j'ai pigé dans vite fait. Il y avait des sujets avec toi. Ok. Après, toi, t'auras pas trop de beau temps pour monter là-haut, hein, que toute la flotte que t'auras. Ah, je n'entends pas, lui. Ben oui, il y a la station d'Andy 3-3 et en compagnie aussi de Charlie 4-7. Alors, là, c'est la 10. Et bonjour de Dominique, la puce, de Jean Lac. Ok, retourne dans les cartes. Ah, vous êtes en même temps. Vas-y, Charlie. Ok, mais tu pourras le renvoyer. Tu entends tout ça, Charlie, Dominique. J'entends pas de mon côté, je suis sur un 9-6. Il y a Dominique qui est dessus. Ah, désolé. J'entendais beaucoup de plein sur moi, alors j'ai dit bon. Déjà que tu vas faire cette pinaque. Arrêtez. Attends, excuse, j'ai pas fait gaffe du coup. J'ai dit sur quoi qu'on peut faire cette pinaque, tu vois là. Ah non, j'ai changé de poste, c'est le président Georges II. Georges, mais oui, j'en ai un derrière mon cul, là, c'était bien que la mécanique à l'époque pour s'en servir ce bordel. Et c'est vrai que le Georges II, il est vraiment pas mal. Hein. Et celui-ci, c'est un vrai poste CB. Voilà, par rapport aux autres, 7009, Lincoln 2, 6009, et ainsi de suite. Celui-ci, c'est un vrai poste CB. Ah, pas moi de la force, parce que ça envoie de la patate, là. Un petit peu. Ah, allez, je dois être à peu près... Allez, au niveau portée, je suis à égal à une station fixe. Oui. Non, là comme ça on a M sur 19, je dois être à peu près à 90-95. Et c'est que je rame à fond. Hein. Là, je suis en mode compétition, là, pour ramer. Hein. Oui, remarque, j'ai dit ça, moi. Je t'envoie 170-195 watts, à peu près. Quoi? Ah oui, quand même. Le 8 mètres du poste, il peut faire deux fois le tour. Hein. Parce que moi, là, au coup de sifflet, je fais 200 watts sur votre pétarote, mais là-dessus, je reste autour de 150-170 watts. Ah la vache, oui, quand même, ça dépote, hein. Ah oui, ah, j'imaginais pas autant moi. Non mais disons que moi pour ma part j'ai fait en sorte d'équilibrer la puissance par rapport aux stations fixes équipées de décamétriques. Parce que pour la petite anecdote, autrefois, quand quelqu'un me disait je commence à te perdre, eh bien lui je le recevais encore à un poste Otago 8. Je me suis dit là ça va pas, enfin résoudre le problème un jour ou l'autre. Et là, bon ben maintenant. Quand une station commence à me perdre, eh bien c'est pareil de mon côté. Voilà, je ne cherche pas plus. Mais tu me passes par l'œil, ils sont en route sur le droit, tu m'as dit là. Là, je suis à 85-90, là, autour de ça. Quoi. Pas plus. C'est déjà pas mal pour un poste, c'est... Oui.
parce que bon, ah non. Moi j'ai le RC devant le 2910 là, il balance autour de 80 km/h. Oui, non, mais c'est que. Non, non. Alors le poste, sorti du poste, il est descendu à 5 watts. Voilà, c'est que je rentre dans l'Alfa Lima derrière. Alors certains me disent pourquoi t'as pas pris le Washington qui lui développe davantage. Quel intérêt puisque j'ai un Alfa Lima derrière. Je préfère faire travailler un Alfa Lima plutôt que de faire surchauffer le poste. Donc là, sorti du poste lui-même, là sur le, en AM, je suis à 5 watts. Je rentre dans l'Alfa Lima pour ressortir derrière en ouais, 85-90 watts autour de ça. Quoi. Ah ouais, d'accord, bien Roger. C'est ce que je voulais dire, moi. Ben oui, mais comme moi, j'ai l'Alfa Lima derrière. Bon, ben, j'avais 550B derrière. Eh bien, c'est le B 550B que j'ai. Ah ouais, ah, j'ai entendu un Roger Bip. Cover, salut GG, bonjour Dandy, parfois. 73-51 retourné, voilà, je suis sur la A10, la National 10, pardon, en direction du Nord. Il y a Charlie qui est derrière. Bonjour. Bonjour, Charlie 47. Bon, ben, ok, super, on va jouer à Sortu SO, alors je souhaite une bonne journée, bonne route de 10-33, c'était 14, c'était 16-0, opérateur Alexis, donc même. Charlie 47, peut-être à tout à l'heure, je cherchais un petit café à Chi. Bonne journée à tous. Parlez où, Cédric, toi? Ok, bonne journée. Bon, Cédric, là. Je l'entends plus. Ah, je l'entends plus non plus. Ah, il y a pas que de côté, ben oui, il n'y a pas trop d'équipe par là. Donc, ben Charlie, j'ai plus de combi, je te souhaite la bonne route. Allez, ouais, bonjour, j'avais loin, et puis, ok, ton retour. Ok, merci, à tout à l'heure. Ah, ben si, passe. Je sais que t'es parti de côté, là, c'est bien passé, là. Après, la prochaine compagnie, là, après, c'est peut-être plus délicat pour toi. Ben, c'est pas Charlie, là, que j'ai entendu la répondre à l'instant. Ah si oui, ben t'arrives encore à passer de mon côté quoi. Ben oui, t'es pas en direction Poitiers toi. Alors, c'est bien. Attends, j'ai pas compris. Tu passes par Poitiers là? Ah désolé. Oui. Poitiers, puis je remonte comme ça, Tours. Tours, le Mans. Le Mans, puis je continue à monter comme ça. Non, ouais, d'accord, je vois, attends, tu parles. Ouais, à un moment donné, on va récupérer l'autoroute. Mais là, tant qu'on peut rester sur la National 10, on y reste. Mais bon, on évite par contre Paris, évidemment. On passe sur la gauche pour remonter, quoi. Après, le reste, ouais, ce sera sur l'autoroute. D'accord, ouais. Oui, ok, merci, je ne l'ai pas entendu. Tiens, là, je passe à la hauteur de la sortie, la Chignole. C'est dans le trou, là-bas. Ouais, exact, j'arrive dans le trou. Ouais, c'est malheureux, mais ça passe mal, ça. Ça passe mal. Bon, bah, en tout cas, je vais dire, toi, par contre, tu passes bien, bah, tu m'étonnes, à Chi. Moi je passe partout. Oui, puisque même sur la Dordogne, tu passes. Ah oui, et puis j'ai une situation géographique. Je suis sur une meute, sur un point culminant. Hein. Ok, ça y est, là je remonte un peu la surface. Ouais, yes. Alors National 10, je suis à la borne 39. Ben oui. Dominique,
te crois que je suis dans la bouche. Bon, ouais. Bon, le mec Rémi, il est arrivé où la route a monté la côte, maintenant le parking, il est arrivé vite pour mettre Thomas sur la bouche. Alors, ouais, je suis en train de repasser de l'autre côté de la côte. Je suis à 800 mètres de la sortie Saint-Amand de Boix. Ah, je suis dans le trou là. Voilà, Saint-Amand de Boix, je suis en train de passer à la hauteur de cette sortie-là. Ok, je vais monter la route pour monter la route, pour monter la route, pour monter la route, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et puis, au prochain coup, parce que là, je vais aller faire autre chose aussi. Je vais en faire un bail, mais je ne sais pas si ça marche. Ok, ça marche. Merci pour ce petit QSO, les 7351 à tout le monde. Et, alors, je reviens, je repasse par là, mercredi. Allez, amusez-vous bien. C'est un peu la cacophonie là. Yes, merci. Et 7351 retourné, bonne journée. Bon, vous voyez qu'il y a du monde, ce 19. Avec USB, bien bonjour Dominique, si tu m'entends. Il faut juste un petit peu de bonne volonté. Faut bien essayer Dominique. Et prendre le micro. Il y a un rideau de fer entre vous deux. C'est ça. Et je vous dis à plus tard. Oui, il y a plus. Oh, toi par contre, tu passes bien là de mon côté là. Je suis sur la National 10 en train de remonter vers le nord. Qui ça passe bien, moi? Ah bah tu m'étonnes. Là pour le coup, j'ai l'aiguille qui a fait trop feu que moi. Ah, ah si. Bon ben super alors. Bah là, bon, mes conditions de trafic, c'est un Galaxy Saturn basique avec un micro MP3-CAN et un Alpha Lima KL203P préamplifié mais pas le campi. Voilà, qui dégage 93 watts là, pour la suite de Ok. Bon ben moi c'est pareil, hein, j'ai un petit peu de matériel dans le push. Là je suis avec le président Georges II. Et derrière, oui, j'ai un Zetagi B550P. Et là, bon, je tourne à quoi? Environ 90 watts. Hein, dans cette fourchette-là. D'accord, bon bah ça marche très bien. C'est du téléphone. Là, aujourd'hui ça passe très très bien, les radios sont bonnes. Merci à tout à l'heure, là tu dois t'éloigner, je te retrouve un peu plus petit. Mais je te comprends quand même, c'est déjà bien. Ah ben j'espère bien. Alors l'air de main de Boix. Voilà, j'arrive à l'usine GSM que je vois là sur la gauche. Voilà, je suis en train d'arriver à ce niveau-là. Dans 450 mètres. Gauche, droite. Je dis gauche, mais c'est à droite calé. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai comme indication là de mon côté? Eh bien, toujours air de Saint-Mén de Boix Est. Voilà, je suis pas loin d'arriver là.
Désolé à la station d'Annecy 33 pour Annecy. Il y a un étranger qui passe par-dessus et qui m'a retourné. Annecy, il est en propre commande. Je suis désolé, donc passe une excellente journée. Très bonne route à toi. Et puis peut-être à bientôt. 73. Ok, merci. Les bonnes 73 à côté à toi. Bonne journée à toi également. À plus. Merci, bon dimanche, retourné. Bon dimanche, bonne fin de journée, pardon. Mais fuis-toi à parler comme ça, demain tu vas être lundi. Allez, amuse-toi bien de ton côté, à plus. Alors eux, là, comme c'est là, ils utilisent la CB comme radio-téléphone. Donc c'est pas radio-loisir, c'est radio-utile. Pour le sud-ouest de France en mobile.
j'ai compris la ville d'Anvers, je crois que c'est Laurent, parce que tout le monde appelle. Tout le monde appelle, donc j'ai l'impression qu'il y a des centaines et des centaines de stations sur le nord Belgique. C'est fou ça. J'appelle le nord Belgique, et puis c'est Tarpampion, le machin qui répond, enfin bref. Du coup, ça fout le bazar sur la fréquence et c'est difficile à comprendre. Donc Laurent, je crois, je suis passé sur la ville d'Anvers pour Patrice Lomé à QSL. Break pour Rémi en mobile. Bravo Charlie, 3301 mobile. Belgique, les 73, bonne journée, bon courage pour le pro. Bon, notre 014, bon, on peut dire son mobile infernal, il y a longtemps qu'il n'est plus dans le mobile infernal. Et si, salut Jean-Claude avec les bonnes 73, QSL. Vrai pour 14, bravo Charlie, 3301 mobile. Bravo Charlie, 33-01 Rémi en mobile. Ah, je crois qu'il y a un opérateur Christian de la Belgique, je suis pas sûr. Christian sur la Belgique, allez-y. Avec le coup, il y a beaucoup de stations qui ont appelé en même temps, donc me revenir avec l'indicatif 16, point d'interrogation, Christian QSL.
Bon, c'est pas grave. CQ, CQ, CQDX, appel de 14, Bravo Charlie 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile sur la nationale 10 en direction du Nord. De la borne 6. Break pour 14, Bravo Charlie 3301 Rémi en mobile. Je ne l'aurai pas. 14, Sugar Delta 009, je crois. Il y a beaucoup, beaucoup de stations qui appellent. 14, Sugar Delta 009, allez-y. Bon, il y a de la propague, je crois qu'on a tous compris. Les 73-51, 14 Charlie, après j'ai pas bien compris, de Dandy 33, 14 Bravo Charlie 33-01 Rémi en mobile sur la nationale 10 dans le sens sud-nord. Bon, on verra ça un peu plus tard. Attention, les stations fréquence pour Dindé 33 qui est sur la A10 dans les environs de Tours. Et la Popag FM. Sur les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel sur la A10 dans les environs de Tours.
Attention, les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel depuis les environs de Tours sur la A10. Tours Saint-Pierre-des-Corps. Attention, les stations de Rouen pour Dindy 33 qui appelle depuis la nationale, eh bien, au sud de Rouen. Oui, bon numéro, la station. Hop là, ça passe bien pour vous, t'es à côté de moi là, toi. Les 73-51, Dindy 33. Ah oui, bon, je suis frappé, 73-51 de la bagarre, opérateur Thierry, du 27. Ok, Thierry. Eh bien, moi, pour ma part, je suis en vacances. J'imagine que toi, t'es en plein boulot. Ferme un tour pour la dernière journée, après c'est les vacances. Ah, toi aussi? Ah, cool! Ah, bah oui, ça va faire du bien parce qu'il y en a besoin. Hein. Ok, bah nous là on arrive de la Gironde. Ok, d'accord, donc je suppose en push. Affirmatif, en push avec un président, oh zut, Georges II là dans le push. Oui, bah, c'est un bon petit poste aussi, ça. Moi j'ai le président Richard, dernière génération. Ah d'accord, toi, le mien, il a juste quelques semaines, il est tout neuf. Et bien celui-là, c'est la même chose, hein. Président Richard, il a 6 semaines celui-là, voilà. Ok, d'accord. Bah, au niveau de l'antenne, là, c'est une Wilson 5000 que j'ai là sur le milieu du toit. Ah ben je comprends mieux pourquoi ça passe bien alors. Ah ben, ouais, attends, faut que je change de voix, voilà, toute direction, ok, voilà, ah bah oui, ça peut, ouais, déjà le poste par lui-même, c'est vrai que c'est une belle bête, hein, en plus. Ouais, hein. Bah, c'est des bons postes, hein. De toute façon, les présidents, moi, ils ont du super matériel, comme ils ont toujours fait, hein. Et puis les stéréos, c'est des bonnes antennes. Moi j'ai une antenne président, je ne sais plus trop ce que c'est exactement. Mais bon, c'est une sacrée antenne aussi. J'ai un sillon d'1m90. Et franchement, c'est le top. Ok, ça serait pas des fois la président ML180, quelque chose comme ça? Bon, c'est une bonne question, je ne me rappelle plus du tout. Ce que je sais, c'est qu'il y a. Il y a la base avec les deux petits papillons qu'on visse pour le tous. Après, je peux pas te dire exactement, je sais plus. Ouais, peu importe. En tout cas, effectivement, ça marche bien. Tout à fait. Hein. On en est content, c'est le principal. Et il faut ça dans le mille-pattes, hein, sinon après, c'est le bordel. Attends, je suis en train de surveiller mon rétro. Non, c'est bon. Vas-y, double. Ok. Et bien là, nous, on s'en va sur le Pas-de-Calais. Il fait trop chaud en Gironde, on va prendre un peu le frais. Non, je plaisante. Eh bien, nous, on va partir d'ici, du 27, pour aller du côté de la Gironde, justement. Enfin, la Gironde, on va descendre, quoi. Nous, exactement, on sait pas trop, parce qu'on part en Angleterre, mais on verra bien. Ok, tu descends en escargot, alors. D'accord. Ah, ben, il y a des coins sympas, hein, niveau de la Gironde, la Dordogne, tous ces coins-là. Eh bien, nous, on habite à côté de Saint-Émilion. Parce que je redescends de l'autre côté, puis il y a énormément de monde dans le coin, donc c'est un peu grand. Ok, ouais, t'es en train de t'éloigner de moi. Ouais, je disais que nous, on habite du côté de Saint-Émilion, dans ces coins-là. Ouais, il y a de la surmodulation américaine. Bon, si tu m'entends encore, les 73-51 à toi. Merci pour ce petit contact croisé de la route. Et bonnes vacances à suivre. Ok, tout ça envoyé. Allez, là, bonnes vacances à toi, mon ami. Merci. Nous, là, on va sur le Pas-de-Calais. Hein. Merci, à plus. Eh ben, bonne route jusqu'au Pas-de-Calais. Vous êtes bientôt arrivés. Oh oui, qu'on est bientôt arrivé. Tiens, oui, ça arrive plein fou derrière. À plus. Merci. Attention, les stations en fréquence sur Rouen pour Dindy 33 qui vous appelle. Ah,
Attention les stations de Rouen pour Dundee 33 qui vous appelle. Attention les stations de Rouen pour Dundee 33 qui vous appelle. Attention les stations en fréquence sur Rouen pour Dundee 33 qui vous appelle. Bon, ils sont tous en train de faire la sieste là ici. Là. Ça y est, ils ont bien mangé, ils ont bien bu, ils se sont tapés une bonne petite bière et maintenant ils font la sieste. Attention les stations en fréquence sur Rouen pour Dundee 33 qui appelle. Attention les stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis Rouen. Ils sont où les stations sur Rouen? Ah, d'habitude, il y a du monde en fréquence. Et où?
matin sur les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel à mobile depuis Rouen. Sur les stations fréquences pour Dindy 33 qui lance appel. Sur les stations locales pour Dindy 33 qui appelle. Précisément. Ah oui, on est en temps de région. CQ des X, appel de 14 Bravo Charlie 3301 qui propose un QSY sur le 27 625 625. CQ des X, appel de 14 Bravo Charlie 3301 opérateur Rémi qui lance appel en mobile. Depuis le Pas-de-Calais sur l'autoroute, l'autoroute qui arrive du sud. Attention le Québec-Canada. Attention le Québec-Canada pour 14 Bravo Charlie 3301 Rémi qui vous lance appel. CQDX, appel de 14 Bravo Charlie 3301 Rémi, qui lance appel et propose un QSY sur le 27 625 625. CQDX, appel de 14 Bravo Charlie 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le Pas-de-Calais, au sud de Calais. Ils sont où ?
tout au long de la route, il y a eu de la propague. Je suis resté calme. De temps en temps, ça fait du bien. Ah, si, quand même. Attention à la station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel à mobile depuis le Pas-de-Calais. Attention, les stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis le sud de Calais sur la A16. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel à mobile depuis la A16 au sud de Calais. Allez, 20 minutes de route et on est rendu. Je suis resté sur le 12. N'importe quoi. On l'a refait. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis la A16 au sud de Calais. Alors si j'ai bien compris, Geoffrey, je suis pas sûr. Les 73-51 de la part de Dundee 33, Rémi, voilà, en mobile sur la A16 au sud de Calais. C'est super le temps par ici sur la région, Hachis trois coups. Voilà, je suis à la hauteur de la sortie 800 Guinness. Alors là, j'en ai entendu un aboyer, j'ai rien compris. Là. Sur les stations fréquence pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis la A16 au sud de Calais. Ouais, super l'accueil. Oreilles. Thank you.
15 km sur. Oui, elle a 40 mois. Oui. CQ2X, appel de 14, bravo Charlie 3301 qui lance appel et propose un QSY sur le 27-625. 6-2-5. CQ2X, appel de 14, bravo Charlie 3301, opérateur MI qui lance appel à mobile depuis l'autoroute A16 au sud de Calais. Appel de 14, bravo Charlie 3301 Rémi, qui lance appel et propose un QSY sur le 27-625. 6-2-5. CQ2X, appel de 14, bravo Charlie 3301 opérateur Rémi, MD33 lance appel en mobile depuis la A16 au sud de Calais. Attention Rémi. Ouais, yes. D73-14, bravo Charlie, 33-01 Rémi. D73-14, Whisky Charlie 01, et opérateur Michel, juste à côté de Curie. C'était pour passer un petit coucou. Ouais, merci, parce que là, c'est vrai que là, on a un accueil des plus arrosés. On s'attendait pas à ça. On s'est dit, qui c'est qui a dit qu'on venait sur le Pas-de-Calais aujourd'hui? Plaisanterie. Eh bien, merci pour l'accueil. C'est vrai que là, c'est aujourd'hui, c'est, je ne sais pas comment c'est d'habitude sur la région, mais là, c'est un petit peu calme. Pourtant, il y a de la propague et tout, hein, puisque là, tout au long de la route, là, on arrive directement à Gironde. Hein. Donc, tout au long de la route, là, j'ai eu de la propague et tout, ça, pas que... j'ai entendu des stations appeler le Québec-Canada. Bon, eux, je ne les ai pas entendus en retour. Mais bon, il y a de la propague, mais bon, les EM, ben, ouais, Marc, ils ont peut-être tous repris le boulot aussi. Hein. Oui, affirmatif, Rémi, mais il n'y a plus grand monde ici sur la région de Curie, à Gitranco. Alors, moi, je me suis permis d'appeler parce que je suis sur YouTube. Rémi, je regarde à chaque fois des petites vidéos. Eh bien, ça tombe bien, parce que je suis en train d'en faire une, justement, là. Putain, par contre, je suis en train de voir, j'ai intérêt à mettre la ventilation dans la voiture, parce que là, c'est... Waouh, c'est le bruit que j'attrape par ici, mais... Ouais, je suis en train d'en faire une, alors, elle sera pas mise en ligne ce soir, ni demain soir, elle sera mise en ligne, je mettrai tout en ligne au retour.
Bien reçu, bien reçu. Oui, j'allais dire, la propagation, ouais, tu en parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'on entend le Québec, le Canada, les États-Unis, pas mal de propagation, mais c'est sporadique aussi. Hein. Voilà, bon retour. Ah, pour être sporadique, c'est sporadique, parce que bon, c'est vrai quand même sur la route, il y a eu des blancs hein, par moment, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai sauté sur l'occasion pour faire une pause un petit peu au niveau micro. En local, on a sur 19, j'ai eu les stations d'Angoulême. Après, bon, je me suis calmé. Sur Rouen, à l'entrée de Rouen, si, j'ai eu un OM également sur le 19. Et je me suis recalmé à nouveau. Hachis. Et puis là, voilà, je retente le coup là, sur la région là, pour voir. Ok, oui, est-ce que le président, ouais, c'est un peu la nouveauté, c'est le président Lincoln 2, c'est ça? Non, celui-là il est vendu. C'est le George 2 là, que tu entends là, actuellement. Là. Ah, ok, alors ça donne, ça marche bien. Eh bien, à toi de me le dire. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Tu penses qu'il carbure bien? La radio est très bonne, hein. C'est une bonne radio puissante, rien à dire. Hein. Bah, moi je suis en fixe, hein, c'est pour ça. Hein. Bah, non, ça passe très bien. Là. Non, justement, moi j'avais vu que le TX était changé dans la voiture. Elle dit, tiens, alors, en émission, est-ce qu'il est valable? Ah ben, hé, c'est toi qui m'entends là. Là, tu vois que oui, bah, la réponse tu l'as donnée toi-même. Je suis trop cool. Ça pour carburer, oui, il carbure bien, oui, la preuve, hein, tu vois comment tu m'entends. Tu as dû entendre des retours aussi là, dans les dernières vidéos là, que j'ai fait là, avec le. Attends, ah oui, faut que je me mette sur la voie de gauche, droite, pardon. Non, pas encore. À 2,6 km, je sors de l'autoroute. Hein. Ouais, vu le retour des OM sur mes vidéos, là tu l'as vraiment là en direct, hein, tu vois ce que ça donne. Ben, en réception, c'est pareil. Hein. C'est les bruits que tu vas surtout entendre, c'est les bruits du push. Hein. Oui, affirmatif, mais j'entends rien comme bruit extérieur. Ah. Non, la radio est bonne. Hein. Oui, qu'est-ce que je veux dire encore, ça marche, ça est sorti de la tête. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, ça me reviendra encore la tête. Hein. Oui, bah oui, je parle, on parlait justement, qu'est-ce qu'il donne en émission? Bah, on est en local pratiquement, là. On peut pas juger. Mais est-ce que tu as fait des bons contacts en TX, en TX? Alors, j'ai pas eu le temps de faire vraiment du DX. Séquence et avant-hier, oui, avant-hier. Je me suis mis sur la colline à côté de chez moi, dont la dernière vidéo là qui est en ligne. Parce que bon, j'avais remarqué que le Québec passait tous les jours. Je me suis dit, je vais tenter le coup. Arrivé là, ben j'ai dû arriver où je suis pas allé sur la bonne fréquence, où j'ai pas chopé le Québec du tout. Donc je suis resté dans du QSO local. Donc là, en vrai DX, là, je peux pas te dire. Mais bon, vu comment ça donne en local, en DX, je pense que ça peut être que bon. Oui, je suppose, hein, parce que tous les retombées qu'on a sur ce TX, c'est des bons commentaires. Hein, voilà. Bah oui, bah en ce moment, avec la propagation, là, hier sur le. J'entendais, j'ai discuté un petit peu aussi des stations anglaises. Hein. J'ai fait la Norvège, les États-Unis, j'étais même étonné. Hein. Donc je pense que si tu modules dans la région, sur le secteur de Calais, tu auras peut-être moyen d'entendre l'Angleterre et discuter avec eux, parce que c'est rare pour chez nous de pouvoir discuter avec l'Angleterre. Hein. Et puis les pays nordiques, Norvège, Suède, ça passe aussi. Hein. Voilà Rémi, retour. Mais moi je veux bien discuter avec eux, mais c'est ma bouche qui ne veut pas parler avec eux. Je parle pas rose bif, hachis trois coups. Ah ok Rémi, bah moi c'est pareil, mais je me débrouille, je parle comme une vache espagnole, comme on dit par chez nous. Oui, mais toi t'es intelligent par rapport à moi, t'y arrives. Que j'ai déjà essayé de parler un petit peu anglais. Tiens, avec un copain justement là qui m'aide là, en informatique là, sur le WebSDR. Lui, par contre, lui, il comprend l'anglais et tout, ceci, cela et tout. Il a voulu tenter l'expérience avec moi. Ah, bordel, impossible de déconner ce que je lui disais. Hein. Affirmatif. Oh, ça viendra peut-être. Hein. Non, mais du moment qu'on fait causer les formules de politesse et changer un petit peu les mots traditionnels hein, sur le temps, sur des petites bricoles, quoi.
Bon, on fait un mec, hein. Ouais, mais même ça, je les connais pas. Et puis bon, il y a la prononciation, il y a tout ça qui est pas évident non plus. Hein. Bon, les amis, une petite question, c'était à l'issue, hein, mais j'ai vu que l'an dernier, tu étais venu sur la région de Calais, tu as des affinités par ici, retour. Ah bah tu m'étonnes, j'ai le fils avec sa femme et son fiston qui habite dans les environs. Ah ok, voilà le pourquoi, bah, je dis tiens, c'est peut-être soit un ancien calaisien ou alors un qui vient d'un peu de notre région. Bah voilà, tout se comprend maintenant. Voilà Rémi, bah, pour me situer, si tu vois un petit peu la région de Calais, je me situe à côté de Calais, à Transmarc, où il y a tous ces camions, là je suis dans ce secteur là, voilà. Voilà Rémi. Ah ben tu m'étonnes, ah oui je vois, puisque avec le fils justement et sa femme l'année dernière, on a mangé là au resto routier là qu'il y a de ce côté-là. Quoi. Ah affirmatif, oui ça t'est mangé au truc là, ouais. Bah j'habite même pas un kilomètre de l'eau, tu vois. Bah t'as passé près de chez vous, voilà. Ah oui, bah oui, je vois très bien, oui. Remarque, vu l'endroit, tu as du monde tous les jours en fin de compte sur le secteur. C'est pas trop désert, ça va, quoi. Ah chi. Non, c'est pas désert, il y a tous les camions, là. C'est le parking pour les camions. Hein. Bah, alors, bientôt, on a eu la mauvaise nouvelle dans les journaux. Là. Ils vont barricader. Ils vont grillager en barbelé toute la zone Transmarc. Donc, on va être entouré de grillages à cause des migrants. Quoi, voilà. Ça va gâcher le paysage. Retour, Rémi. Ah, bah oui! Toi qui les accueille chaleureusement en plus. Qui est content d'avoir plein de migrants chez soi. Ils ne pourront plus venir. Affirmatif, oui, comme tu dis. Voilà, voilà. Bah, je vais pas faire plus long, on aura peut-être l'occasion de se réentendre soit demain ou dimanche, on ne sait jamais. Parce que je suis de temps en temps sur la fréquence, mais souvent en USB, hein, en longue distance. Voilà Rémi, merci de m'avoir répondu, ça m'a fait plaisir. Comme ça, au moins, j'ai pu discuter avec toi, parce que Bordeaux, pour discuter, c'est des fois un peu compliqué à voir. Hein. Alors, bon séjour, et puis à bientôt Rémi. Moi, c'est 14 Whisky Charlie 01, et l'opérateur est Michel. Ok, 14 Whisky Charlie 01, il faut que je me mette en tête. Non, là, je n'aurai pas le temps de t'envoyer une EQSL. Eh bien, nous, on reprend la route mercredi. Voilà, on retourne sur le sud mercredi, donc on aura le temps de se copier d'ici là. Si ça veut bien le faire. Hachi, les 73-51, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis en quoi, moi? Ah non, je suis en quatrième. 73-51, 212 QRA, merci de m'avoir répondu et à plus. Oui, merci, toi aussi. Là, je suis plus très loin de la destination. Merci, à plus. Ok, bon séjour. C'est vrai que suivant les régions, les usages de la CB ne sont pas les mêmes. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.